Je m'appelle Karim, j'ai 14 ans, j'habite à Marseille. Voilà. Je fais un projet humanitaire pour les Sénégalais. Et puis on va au Sénégal pour aider déjà les Sénégalais. On va planter des arbres et voilà. On va en gros pour les aider. Ça me plaît, moi, m'occuper des enfants pauvres parce que bon, on a eu des problèmes. Bon, le fait, c'est qu'il faut les aider aussi parce qu'on ne sait pas dans quoi ils vivent. Et voilà, ça m'a plu. Voilà ce que je compte faire. Le fait de découvrir plusieurs des cultures différentes, des personnes différentes. Découvrir leur mode de vie, tout ça. Le voyage. Ouais, aussi, entre autres. Nous allons partir au Sénégal pour planter environ 500 arbres fruitiers pour la cantine d'une école, pour qu'ils puissent manger à la cantine, parce que souvent les enfants ne vont pas à l'école après-midi ou quoi, parce qu'ils doivent rentrer chez eux pour manger, parce qu'ils n'ont pas à manger à la cantine. Et en même temps, aussi, ça pourra servir à une coopérative des femmes qui pourra en faire de la confiture pour se faire de l'argent. Et pour ça, on a tout au long de l'année, sur le foyer, on a organisé plusieurs soirées. Nous avons fabriqué de nos mains de propres objets que nous avons vendus au cours de ces soirées. Et là, on a à peu près récolté 2 000-2 500 euros. Bien, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas trouver en arrivant ou... J'imagine ça avec un immense désert. Meɗen jetta han kadi kurkaji ɗi ganduɗa kam ɗi gimmi toon gari ga pour yottade village he ɓe gona école he ɓe gona tite a guesa he loue une affection particulière à ces jeunes qui pourraient passer des vacances ailleurs que dans un village paumé au Sénégal et ils vous félicitent de votre déplacement. Meɗen torono ɗumen heɓe arde ga e jam ɓe koota jam jam ɓe tawoy toon jam il demande au Dieu qui est tout puissant de vous préserver, de vous réserver une belle avenir, que vous puissiez revenir de temps en temps ici. Chaque année, vous puissiez venir, que ce soit votre famille ici, et que vous ayez un pied à terre au Sénégal dans ce village de Lompoulé. Voilà. On va prendre des photos. Hein. C'est pas gratuit. C'est payant. Si y en a un, c'est mieux. Pas moi, donc au niveau des fournitures scolaires, c'est les parents qui achètent. L'État paye les enseignants et tout ce qui est fournitures scolaires, c'est les parents qui achètent ça. Mais il ne vient pas parce qu'il n'a pas le BIC et le parent ne peut pas l'acheter. Oui, oui. Souvent, donc, c'est vos aides qui nous viennent à travers le chef du village qui nous aident à terminer l'année scolaire. Quoi. Merci, on vous en remercie infiniment. Vous êtes les bienvenus chez nous. Merci. Il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent. Donc parce que, à part l'école de Lompoul, la majeure partie de l'effectif nous vient des villages environnants. Et maintenant, pour fixer ces jeunes à l'école, il lui est venu l'idée de mettre en place un projet de jardin potager. Et ce projet de jardin a pour but, une fois mis en place, de permettre à l'école d'avoir des fonds pour installer une cantine scolaire. Et cette cantine-là va permettre aux élèves qui viennent des villages lointains, éviter la navette, retourner à midi au village, revenir. Donc, ce qu'a dit Amouchouan. Avant, il n'y avait pas de puits à l'école, donc les enfants, pour boire, il fallait qu'ils sortent de l'école. Maintenant, ils ont un puits, donc c'est grâce à Sens. Ils remercient encore. Comme moi, c'est notre première scolaire,
amu fi won kon suñu taxawé jappalé ñu ci dañ ci contane dinañ sant den gërëm à chaque fois qu'il va le puits c'est plus fort que lui, il faut qu'il remercie, il dit, parce qu'il y en avait pas et là il y a un truc concret qui a été fait et il y croit parce que comme le puits est là, quand il y a de l'eau, on peut tout faire avec. Donc il y croit et 65 villages wa yi nek ci jokul jawri kenn amuko. Et il dit, lui il en est fier parce que dans 65 villages autour, il n'y a pas une école où il y a un puits. C'est le seul village où il y a un puits à l'école. Donc il en est fier. Est-ce que tu es content de la façon dont ça avance là? Ouais, ça avance vite. Ça avance vite, tu trouves? On en est où alors là en ce moment? Dans le projet, aujourd'hui. Ah, on est à mettre la pompe avec le panneau solaire. Ouais. On a nettoyé tout. On est en train de déterrer pour mettre la pompe. Ouais. Et voilà. Sinon, c'est bien, on s'en sort bien. Ouais, alors, quand est-ce qu'on commence à planter? À planter. Bientôt. Demain ou après-demain. Ouais. Dès que la pompe sera installée. Dès que la pompe sera installée. Très bien. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais découvrir du Sénégal qu'on n'a pas vu encore? Oui. Par exemple? Noisis. Ouais, ça c'est pas sûr qu'on en voit parce que c'est quand même très sec. Hein. Une bijouterie. Ouais. Non, mais il faut une visco tout. Ce n'est pas du temps, c'est de là. Il y a des qui après. Ah, non. Tire-le parce que j'ai ses jambes et ça gêne. Allez, lève-toi. J'ai fini mon travail. Ouais, mais on peut ramasser le plastique. Ben. C'est bon. Ce que vous avez fait, c'est une action d'intérêt communautaire. Et je l'ai dit tantôt, qu'il n'est pas donné à n'importe qui de donner une partie de soi. Chacun est jaloux de ce qu'il a. Mais quand quelqu'un accepte de donner une partie de soi, quelle qu'elle soit, que ça soit en espèces, que ça soit en matériel, de façon, ce qui importe, c'est le geste, la manière de donner. Et je crois aujourd'hui que vous nous avez donné une grande chose. Quel a été ton sentiment quand tu t'es réveillé le premier matin au campement? Je me suis dit où je suis. Ouais. Et ça m'a plu. Tu t'es pas dit, oulala, je voudrais retourner en France? Non, dès que je me suis levée, j'ai dit, je veux découvrir le derrière de la teinte du désert. Ouais. Je savais pas ce qu'il y avait autour. Je vais découvrir, après on verra, peut-être je m'habituerai.